Et re à tous les amis, re salut tout simplement, voilà, je dis re parce que voilà, re des trucs comme ça, voilà. On est tranquille, on est là, on est posé, on est parti pour la partie numéro 17 de Kingdom Hearts. On vient juste de battre Maléfique qui vient de se retirer discrètement, la petite chiennasse que c'est. Et donc elle est partie se cacher, et là on va arriver au moment très intéressant. C'est une partie, voilà, c'est un monde qui va se faire en deux parties, comme vous pouvez le voir, hein. Donc de toute façon, Hollow Bastion, la forteresse oubliée, c'est assez long, c'est normal. Donc on va essayer d'avancer un petit peu dans ce jeu grâce à ça, on va aller la suivre un petit peu et on va voir où on en est. Donc je disais heureux parce que voilà, pour ceux qui sont sur le live, vous le savez, on est là depuis un petit moment. Pour ceux qui viennent de regarder sur YouTube, salut à vous, comment vous allez? Moi ça va, la famille, Imhotep, tout ça. Donc on va la suivre un petit peu, oula, la petite maléfique vous là. Avez besoin d'aide? Alors Riku il est chétanisé de ouf, hein. Oui, une Keyblade. Mais contrairement à la tienne, cette Keyblade permet d'ouvrir le cœur des autres. Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Tu veux une démonstration? Oh! Maintenant, ouvre ton cœur. Abandonne-le. Ah ouais! Ténèbres. Terrible! Ténèbres. Oh, Riku, il rigole pas du tout. Oui, hein. C'est ça. Ce pouvoir. Et du coup, il a buff. Il a totalement buff, c'est un support en fait. Les véritables ténèbres. Ah là, ça va commencer à devenir compliqué là. Ah ouais! Allez, gars, là, on est parti. Là, on est parti sur un vrai fight parce que tout à l'heure, c'est pas un vrai fight, tu vois. Genre maléfique de spi. Là, c'est quand même un dragon, ma gueule. Là, on est parti sur un délire Game of Thrones. Avec un dragon encore plus vénère. Ah ouais, non, il est encore plus vénère que c'est dans Game of Thrones là pour le coup. Oh, t'as pas sa barre de vie. Elle est rose, mon pote. J'ai jamais vu ça. Enfin, si, j'ai déjà vu en vrai, mais. Mais là, on fait genre, on a jamais vu, tu vois. J'ai pas vu dans ce let's play encore. Mon pote, il y a pas du tout, putain. Par contre, c'est pas, t'es cassé. Quoi. Oh, si, merde, le heal, putain, Donald, le mec le plus réactif du game. Oh, lui, il doit jouer sur la table. Putain, c'est grave chaud. Oh là, par contre là, on va planer un petit peu. On va planer. Oh là. Je peux pas lui mettre un petit glacier. Il y a le feu par terre, mon pote. C'est hardcore. Mec, il est trop rapide. Par contre, je fais méga mal. Mais le truc, c'est que lui aussi. Voilà. Bon. Est-ce que je peux bloquer du feu? Ah si, je peux bloquer du feu. Oh attends, par contre, je vais jouer. T'as cassé les couilles. Pourquoi j'arrive en roulade tout à l'heure? Je suis un sacré connard depuis tout à l'heure, j'arrive en roulade. Alors que j'aurais mis des ondes de choc, et moi je crois que je peux rouler au-dessus et tout, genre en mode champ. Voilà, on se heal tout en sautant, on fait gaffe. Dragon de mort. Donc bon, en fait, ça va pas attendre que ça va. Pas du tout du même. Oula, courir. Je plane. C'est pas grave. C'est grave chaud. Oh putain de merde! Elle m'a déjà heal. Enfin, elle m'a défoncé. Parce qu'il y a le cooldown en fait de l'item, etc. Et donc, il va falloir que je fasse attention. Je vais essayer de bloquer les trucs de plus loin. Je vais essayer de rester un petit peu plus loin pour Maléfique cette fois-ci. Bon. Bon, là, je suis un petit peu déçu là. J'ai pas eu le temps de me. J'ai pas eu le temps de me mettre bien là. Oh, je suis ZF là. Je peux pas passer cette scène. Non, on pouvait passer, je crois, dans le vrai. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Déjà une mort. Hein. Déjà une mort sur Maléfique. Vous allez. Avez besoin d'aide. Une mort. Riku. On va revoir cette scène plusieurs fois, les potes. Hein. Oui. Une Keyblade. Mais contrairement à la tienne, cette Keyblade permet d'ouvrir le cœur des. Dalmaculès. What the fuck. Tu veux une démonstration? Dalmaculès. Qu'est-ce qu'il me raconte, les potes? Maintenant, ouvre ton cœur. Abandonne-le aux ténèbres. Deviens les ténèbres. Fais pas la ouf. Fais pas la ouf. Moi, je te baise cette fois, putain. Oui, c'est ça. Ce pouvoir. Ah, Dalmacul. Par contre, le dragon est vraiment vénère. Le problème, c'est que je peux pas lui utiliser mon. Je peux pas utiliser le. L'arcane sur le dragon. Sachant que voilà. C'est un mob que je dois taper en l'air, c'est très chiant. Du coup, je peux pas l'enchaîner comme je pourrais le faire sur un mob de merde, tu vois. Attends, sautons.
Ah, ça y est. Attends, mais attends, déjà là, c'est chaud là. C'est pas normal, mon pote. J'ai laissé un petit rafale pour tanker un peu plus. Ça me réduire les dégâts. Attends, moi j'attends, hein. Moi je bouge plus. Hein. Il y a des cheveux autour de moi, mon pote. Crois-moi cela. Ok, ça va. Mais what the fuck, il est vraiment vénère ce dragon. J'avais totalement oublié qu'il était si vénère. Il faut grave Rafalix. Putain, mais je suis un connard. Putain, mais il tape vraiment vite par terre en fait. J'ai enlevé qu'une barre là. Oh, mais ça a été rapide. Je peux pas monter sur sa tête et genre le taper de là. Oh, j'ai un bonus, mon pote, d'XP. C'est terrible. Oh, je vais envoyer tous ces boules de feu. Oh, je me suis mis méga loin là. Je vais vraiment heal à chaque fois que je vois que je commence à être un petit peu mid-life. Hein. Voilà. Ah, ça joue. Je vais me heal aussi en l'air à chaque fois, je pense. Ok, j'ai pas d'éther, très bien. Non, faut que je me tire. Oh nice, putain, Donald le meilleur, mon pote. Vas-y, il va lancer ses trucs. Oh, mais je peux pas en fait. Je vais retaper dedans. Je vais essayer de taper dans ces boules de feu. Non, faut que je me tire du feu. Oh mec, il est trop chaud, hein. Il est vraiment chaud. Faut que je me tire. Toujours essayer de se healer en l'air contre lui. Comme ça, on se prend pas les ondes de choc. Et c'est assez important quand même de ne pas se prendre ces ondes de choc de mort. Faire un extir là, juste pour la mana. Non, le feu par terre. Faire attention à ça toujours. On recule direct. Oula, beaucoup de feu là, beaucoup trop de feu. Qu'est-ce que... Oh non, le feu c'est trop chaud. Ça c'est trop chaud ça. Pas mal ça, pas mal. On continue. On active ces trucs. Allez. Ouh, putain. Et le jeu est beaucoup plus dur en expert. Oui, en expert je serais mort 10 fois. Hein. Là c'est le jeu en mode normal. Ça passe. Parce que je sais qu'en mode expert par exemple, le caméléon dans Tarzan, j'ai galéré. Mais genre un truc de ouf. Genre je me souviens que c'était le boss le plus dur que j'avais jamais fait. Et pourtant j'ai fini le jeu en expert aussi. Hein. Puisque voilà, à streamer, etc. Si tu me vois mourir 20 fois, c'est pas dingue. Allez. Boum. Voilà. Fou. Eh ben, une mort seulement sur ce mob. Bon après, ça va. C'était genre pas... pas genre dingue. C'était dur, mais genre ça allait. Vu qu'elle m'enlevait pas toute ma vie en un coup, etc. Chose qui en expert aurait été beaucoup plus compliquée. Donc voilà, tu brûles maintenant. Brûle, bitch. T'es la sorcière que tu es. Oula, bon, par contre, que le tout brûle, c'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Donc voilà, elle a brûlé. Quelle ironie. Elle n'était qu'une marionnette, finalement. Oula. Fais pas le fou, Riku. Les sans-coeurs se servaient de maléfiques depuis le début. Elle n'a pas réalisé que la noirceur de son cœur la dévorait. Une fin bien méritée. Oula, il a fait disparaître carrément. Et là, on n'oublie pas, hein, bien entendu, les petits items qui pourraient être présentes dans cette salle. Parce que là, il y a des choses qui se passent. Ah non, ce n'est pas dans... Donc ce n'est pas dans cette salle, très bien. Donc ce n'est pas dans celle-ci, c'est l'autre après. Ce sera celle d'après. On se bat quand même, on sait jamais. Non, c'est bien dans l'autre. C'est pas du tout là. Donc je sais qu'il y a une salle après un boss où genre t'as une épée, etc. Mais donc on verra après. De mémoire. Attendez. Oh, petit chemin qui s'ouvre. Donc on avance, on a réussi à les défoncer. On va sauvegarder cette fois-ci. On va remettre des petits objets dans notre poche. On va remettre aussi
On va prendre un éther aussi. Est-ce que j'ai des éthers? Je vais prendre un méga éther alors. On va ranger ça. On va prendre. Non. Putain. Prendre. Ok, non, peut-être pas. Peut-être pas méga élixir. Méga éther, c'est déjà bien. Sur Donald, on va prendre quoi? Des potions. Des potions plus. Parce que de toute façon, ça ne coûte rien. Dingo, on s'en bat les couilles. Est-ce que j'ai des objets dans ma malle, c'est vrai? Ah, j'ai pas de bonus, etc. J'ai des atouts mis. Est-ce que j'ai des trucs? Non. Non, ça, j'ai pas grand-chose de ouf. Je vais regarder pour stuff un petit peu Donald. Parce qu'il en a bien besoin. Pas dingue. Regarde un petit peu les trucs. Plus 28. On va mettre un petit peu de défense aussi sur lui. Ok, c'est bon. On regarde un petit peu nos compétences aussi, toujours. Hein. Voilà. Je sais que j'ai débloqué concentration. Augmente la vitesse de récupération des MP. C'est pas mal ça. Vas-y. On va mettre ça. On va lui mettre lui vaillance. Pour lui permettre de récupérer. Et la récupération. Dingo. On va lui mettre chance pour les objets rares. Ça, ça déchire. Ouais, dernière force plutôt. Attraction, on s'en bat les couilles, on a déjà. Ok, donc là on est bien. Là on est bien, on va sauvegarder. Je vais sauvegarder à 2 secondes, mais on va re-sauvegarder et on va avancer. Qu'on est là. Ah, c'est vrai qu'après il y a encore une phase et tout. Non, faut pas que je tombe. Non, faut pas que je tombe. Après, je dois faire le tour. Voilà, non, calme-toi. Je m'en bats les couilles. Le petit sans cœur de mort là, c'est bon. J'ai pas de tout donner pour lui quoi. Allez, let's go. On continue. On est devant la porte. Ah, voilà, c'est là. C'est là. Et dans le 1.5, il y a des mobs, parfois dans la forteresse oubliée, qui vous donnent des objets un petit peu rares et qui sont grave cool. Vraiment trop trop cool. Oui, le bouclier pour Dingo, c'est vrai. J'oublie toujours les armes de mes alliés. Oh, putain. J'ai totalement oublié les armes de mes alliés. Merci. Merci à toi, mon cher Krashen. J'oublie un petit peu, ça. Ça m'arrive. Oh. What the fuck? Kairi! Kairi, viens! Pauvre Kairi. Kairi, Kairi, ouvre les yeux. Oh là, c'est trop triste. Cette phase est trop triste. Cette fille a perdu son cœur. Elle ne peut pas se réveiller. Cette fille, comment tu parles d'elle, bâtard? Quoi? Tu n'es pas Riku? La serrure ne peut être complétée tant que la dernière princesse de cœur est endormie. La princesse? Kairi est une princesse? Ah bah mon pote, tu ne le savais pas? Oui. Mais sans son pouvoir, la princesse de la forteresse oubliée. Il faut donc qu'elle se réveille. Qui que tu sois, laisse Riku partir. Mais regardez le coffre derrière là. Là non, il y a un coffre derrière là, en haut. C'est toi qui dois rendre son cœur à la princesse. Tu ne comprends donc rien? Le cœur de la princesse réagit. Il était là depuis le début. Le cœur de Kairi est en toi. Et oui mon gars, la scène nous te traverse au début sur l'île du destin. C'est donc ça. Désormais plus rien n'a de secret pour moi. Dis-moi, qui es-tu? Mon nom est Ansem, le chercheur des ténèbres. Tu n'es pas Ansem, foiré de tes morts. Qu'est-ce que tu vas faire contre lui, mon Silona? Ah oui d'accord. Ah, oh, il a bolos. Là, il est sorti, il ne peut plus rentrer, comme Dingo. Princesse, je vais vous libérer. Complétez la serrure grâce à votre pouvoir. Ouvrez la porte, conduisez-moi vers les ténèbres éternelles. Non! Sora! Va-toi, putain, voilà! Ah, cette scène est trop bien. Ah, c'est grave stylé. Pas question. Ah, là, ça va être grave dur. Là, ça va être grave dur pour moi. Oh putain de merde. Ça suffit.
putain de merde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On suit direct. Oh mais comment il me touche là? Oh non, oh putain, ça fait grave mal. Oh putain, il a loupé. Oh, elle est trop bien cette scène. Allez. Oh, je suis en mode travers de ouf. Oh merde. C'est le même fight, mon gars. Juste que lui, il tape plus vite. Il a plus de range. Et je peux pas le bloquer. Ok, très bien. Donc, je peux pas counter, je peux pas taper en même temps que lui. Oh merde. Oh putain. Oh fuck. Voilà. Tu vas faire quoi, putain? Oh la merde, oh merde, oh merde. Oh putain! Oh, boss de merde! Ah, oh, je suis dans le travers, le hard absolu, les gars. What? The heck? Oh, j'avais totalement oublié ça. Non, 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 non. Ah, je die là. Faut que je me l'avant. Oh, nice. Oh, oui. Oh putain, non, non, faut que je me vite. Putain, j'étais dedans. Fuck. Oh, j'étais grave chaud sur le game là. Oh, j'étais grave chaud. Oh, il m'a baisé. J'ai fait la roulade dans son truc. Ah, j'ai grave le seum. Oh, j'ai grave le seum, putain. Ah, oh, j'ai pas le temps de me heal, j'aurais dû me heal avant, j'aurais dû m'en douter. Ah, my bad. My bad, my bad. Ah, pour le coup, là, je me suis bien fait l'avoir. Je me suis bien fait baiser. Ah, fuck. J'étais pas dégueu, mais en tout cas, je commence à comprendre un petit peu, petit à petit, ça va venir. J'ai enlevé pas mal de dégâts, mais la dernière barre va être très très dure, là. Il reste encore une barre et demie environ. Et c'était pas dingue. Bon, par contre, c'est chiant que je ne puisse pas passer cette scène de mort, donc bon, comment vais-je faire? Allez, let's go. Cette scène, on l'a compris là, on l'a compris. Quand je fais pour aller plus vite que ça là, on ne peut plus. Putain, j'ai grave le seum, j'étais grave chaud là. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, allez. C'est inutile. Putain. Cette fille a perdu son cœur, elle ne peut pas se réveiller. Non mais cette scène est trop bien, en tout cas, cette scène est magnifique. Quoi? Tu n'es pas Rico? Putain, mais on l'a déjà vu ça. La serrure ne peut être complétée tant que la dernière princesse de cœur est endormie. Fuck. Oh, les cils mythiques impassables, c'est le pire. Kairi est une princesse? Oui. Mais sans son pouvoir. Mais sans son pouvoir, la serrure restera inachevée. Il faut donc qu'elle se réveille. Allez, allez, mec, je te défends. Qui que tu sois, laisse Riku partir. Ah, c'est mort. Et rends-lui son cœur. C'est toi. Il doit rendre son cœur à la princesse. Ah, c'est le plus chiant limite de pas pouvoir les cinématiques, ça fait quand même, je suis d'accord. Là les cinématiques, elles me rendent dingue. Ah, j'ai grave le seum. Bon, allez. On va regarder un petit peu le téléphone, les gars, en attendant un petit Snapchat, les potes. Hein, si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, les gars, pour regarder, hein, vous pouvez m'ajouter sur Sakoros, Sakor underscore Ross, voilà. Donc, envoyez-moi des images. Ouais, ouais, Kairi. C'est ça. Putain. Kairi est en moi. Mais oui, elle est en toi, bâtard. Qu'est-ce que tu comprends pas? Désormais, plus rien n'a de secret pour moi. Dis-moi, qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Mon nom est Ansem, le chercheur des ténèbres. Le chercheur des ténèbres. Mais là, il va essayer de me défoncer et je vais le défoncer, putain. En tout cas, il est vraiment fort, ce boss de mort. J'ai un petit peu le seum, là. Princesse, je vais vous libérer. Tu vas rien libérer du tout, mon pote. Complétez la serrure grâce à votre pouvoir. Ouvrez la porte, conduisez-moi vers les ténèbres éternelles. Voilà. Réveille-toi. Sora. Voilà, putain. Réveille-toi. Même Kairi veut pas être sauvée, tu vois, elle te dit, réveille-toi tout de suite. Tu ne prendras pas
Enfin, sauver. Là, pour le coup, c'est pas être sauvé. Allez, on donne tout, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Si j'arrive à lui mettre un petit arcane, ça peut mettre super bien déjà. Voilà, on commence direct, voilà. Petit combo, au calme. Non, merde. Voilà, petit contre, on est là. Direct, on se heal. On perd un petit peu de vie, on se heal. Il va me dire, viens là. Oh là là, double contre, double contre. Y'a quoi? Tu vas faire quoi maintenant? Deux coups seulement, sinon on s'en prend le troisième. Oh putain, pas mal. Là j'aurais pris, tu vois. Le truc, c'est l'avantage qu'il a, c'est que s'il tape en même temps que toi, c'est lui qui prend l'avantage sur lui. Ça, c'est un petit peu la merde. Merde. C'est où? Faut que je mille vite. Oh oui, nice. Vas-y, je suis grave haut là, tu me touches pas là, non? Oh mais non, mais l'explosion du truc aussi. Lightbox. Oh, je suis allé pas. Sacré connard que je suis. Oh putain, mais il enchaîne trop! C'est grave dur ce jeu! Là il va sauter, soon. Allez, saute, et là. Non! Putain, en plus je le dis, putain, je suis un sacré connard! Voilà, on compte direct. Oh, le bon compteur quand même. Faut que je mette deux coups seulement après avoir compté. Deux coups seulement, sinon je prends le troisième. On donne tout là, putain. Non, ce n'est pas le remixage pour ceux qui viennent d'arriver. Tain, tasse. Je vais die, putain. J'en peux plus. Vite, vite, il... Oui, j'ai le temps de mille, putain. Là, je peux le mettre un combo. Oh putain, je pense qu'il faut le mettre un combo. Il vite. Nice. Fuck. Oh, nice contre. Tiens, tu veux quoi, bâtard? Tu veux quoi? Oh putain, oui. Non. Il devient de plus en plus F là. Là on reste en l'air là. Là c'est le moment où on reste en l'air. Oh non, j'ai pas le temps de mille. J'ai pas le temps de mille. Oui. Putain de merde. Vite heal. Nice. Putain. Jeu de mort là. Arrête ça putain. On reste en l'air. On reste en l'air. On reste en l'air. On reste calme. On reste calme. Putain de merde. Heal vite. Putain, la fin du boss est méga chaud. J'ai plus de mana. Faut que je trouve une opportunité de mettre un petit méga extra sur ma gueule. Méga extra, vite. Non. Oui, putain. Oh, j'ai enchaîné tous mes items comme un connard. Oh, je m'en bats les couilles. Allez. Non, j'ai loupé mon combo. Sacré FDP que je suis. Nice, compte. Y'a quoi? Allez. Putain. Voilà. Oh.
Oh! Voilà! Ce boss de mort! Fouf! J'ai appris Ragnarok, c'est terminé. C'est terminé. Ah! Eh bé, putain! Rico! Ah, j'ai galéré, hein! Oh, la serrure! Ah, j'ai tout donné, hein! J'ai vraiment tout donné. Attends, on va pas y aller là. On va pas aller là-bas avant. On va faire des trucs. On va faire des trucs avant parce qu'il y a des objets de type caché. Non, arrête, n'y va pas. Calme. Ça ne marchera pas. La serrure n'est pas complète. Qu'est-ce qu'on peut faire? On devrait peut-être réveiller Kairi. Oh, bah si oui, c'était si simple, on l'aurait déjà fait, espèce de canard. Si on arrive à libérer son cœur. Sérieux? Mais comment? La rure Carmi PL ton stream. Qu'est-ce qu'il a fait, rure encore? Je me demande. Mais Sora. Non, ne fais pas ça. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Sora, attends! Il garde le smile toujours et finalement. Regardez ce qu'il fait quand même. On s'attendre, promise. Il se plante lui-même avec l'épée des ténèbres pour libérer le cœur des gens. Et là, je vais savourer. Cette musique est trop belle, les gars. Genre, c'est une scène. Yao Tada. Je vois qu'on reconnaît quand même, hein, finalement. Je pensais pas qu'il connaissait ce genre de jeu. Et il connaît. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je tombe dans les ténèbres. Et donc, oui, pour ceux qui se demandent, je vois Toad ce qui me demande, est-ce que tu as fini ce jeu? Je l'ai fini une dizaine de fois. Ça fait depuis 17 heures que je joue à ce jeu-là. Et moi, je kiffe ma vie, là, depuis tout à l'heure. Et Sora qui fait le sacrifice ultime. Mais vraiment. Se planter pour les autres princesses. Je ne laisserai pas partir. Oh. Vous vous êtes finalement réveillée, princesse. La serrure est enfin. Finalement, ça dessert tout ça. Vous avez joué votre rôle, mais c'est terminé. Allez, les mecs, là, les gars, va falloir tout donner. Tu crois pouvoir l'arrêter tout seul? T'es mal, les gars, tellement confiant, tu sais. Tu rentres dans un fight et tout, t'es là, t'es en mode. Ça va être chaud là quand même. Attends, c'est gaffe. Ça risque d'être chaud. Ah, non. Et voilà. Je refuse de faire ça pour vous. Riku. Ce jeu est magnifique, hein. C'est un truc de ouf, quand même. Moi j'adore ça. Vous jeu. Devez partir. Les 100 cœurs arrivent. Allez, courez. C'est vrai, tu as raison quand tu dis ça. Allez, courez. Et donc là, pour le coup, vous dites où est Sora pour ceux qui n'ont jamais fait ce jeu. Il vient de se planter, il sombre dans les ténèbres. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Mais quel est donc ce petit sans-cœur? Le petit sans-cœur ZF là, ah, grave chaud. Je vais me balader un petit peu. Je crois pas que je puisse faire grand chose là. Je sais que là, il va y avoir un coffre que je dois reprendre après. Bon, en tant que sans-cœur, ça risque d'être compliqué. Bon, il n'y est pas. Bon, ce sera après. Bon, en gros là, voilà. Là, c'est le petit sans-cœur, petit dégaine ZF. Il est là, il défonce tous les autres sans-cœurs. Si on a qui fait le malin, un petit regard de travers, il lui met un coup de boule. Il rigole pas du tout. Les gars, il rigole pas du tout ce petit sans-cœur. Regardez comment il cavale. Ah, il est grave chaud. Donc allez, on y va. Par contre, je ne sais pas du tout où ils sont partis. Ah, ils sont au hall. Ah, je peux même pas sauvegarder et tout.
Pourquoi je suis passé par là si jamais ils vont au hall? Là je perds du temps en fait à passer par là. On est bien d'accord. Au calme, Sanker, au calme. Oula, petit bug de son. Il faut que j'arrive au hall là. On va sombrer dans les néants en tombant juste ici. Ok, pas du tout, pas ici, je rigolais, c'était une boutade. On va retomber. Allez, on regarde ZF, on retombe encore une fois. Là, je pense qu'on est au bon endroit. Enfin, non, pas encore. On va rentrer là. Ah, la petite dégaine de dingue, hein, vraiment, il est bien. Oh putain, je suis grave chaud. On ne peut pas rester ici. Vas-y, cours, Kairi. Sauve ta peau. Un Sanker nous poursuit. Il va se prendre un gros brasier X, là. Imagine le gros brasier du Donald, mon pote. Tu sais, t'as grave le seum. T'arrives, tu te sens chaud. Tu rentres dans le tas. Tu prends un brasier. T'as trop le seum. Ça aurait été trop drôle de faire ça, quand même. J'aurais tellement dit. Et donc là, voilà. Et moi je me fais chiffonner par le Donald. Sora, est-ce que c'est toi? Cette fois-ci, je te protégerai. Ah, elle a reconnu quand même, c'est cool. Comment ça, elle va nous protéger là avec sa petite dégaine? Oh! Wow, 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 wow! Eh oui, elle a reconnu! Elle a reconnu Sora, c'est tout! Parce qu'elle connaît! Elle connaît le game, c'est l'amour, les potes! Bon, maintenant. Maintenant, vous allez faire quoi? Oh là là! Il y a le mec le plus ZF du game. Par contre, lui, il rigole pas du tout. Mais je pars pas, moi. Viens avec nous! Je te l'ai déjà dit, je ne partirai pas sans Mel. Alors partez! Mais je veux pas partir maintenant, je sais que je dois revenir. Je crois que je dois revenir après. D'accord. Mon objet. Je crois que je peux pas y aller maintenant. Allons-nous en d'ici. Attends, je vais faire un petit tour vite fait dans le château parce que bon, là je crois que j'ai loupé des trucs. Donc, je vais y aller et je vais essayer de débloquer quelques trucs supplémentaires. Si je peux. Si je peux. Ok, je peux pas. Attendez. Parce que je sais qu'on y retourne après ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah finalement on est parti, donc on y retournera juste plus tard, je pense. Enfin, je ne sais pas. Moi je n'ai jamais fait le jeu, bien entendu. Je spoil pas, mais bon. Donc les ténèbres se répandent par cette serrure. J'ai loupé quelques trucs pour le coup. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de Sanker. Et donc là vous pouvez voir, là, cette fille là à droite là. Ah, vous voyez quand vous la revoyez, c'est les feelings. Peut-être, c'est les feelings. Mais personne ne sait ce qui se passera une fois qu'elle sera scellée. Faut pas rester les bras croisés. On doit intervenir. Il y a plein de trucs de l'univers de FF. Hein. Quelques petites anecdotes de temps en temps, tu etc. Te les persos, etc. Ami. C'est la grave. La Keyblade de Riku a dû naître du cœur des princesses captives. Tout tu fais un 100% là, mais non, je ferai certainement pas un 100% ou peut-être en off. Bien sûr. Mais je sans ne pense pas faire. De Kairi, elle restait incomplète. Le let's play complet. Et je vous ferai certainement détruite, les quêtes annexes ou je ferai en off. Le cœur des princesses aurait dû être libéré. Ne t'en fais pas, Sora. S'il y a quelqu'un qui peut sauver ton ami. C'est toi. En fait, RBM, les filles aux yeux clairs à cause de ce jeu-là, c'est vrai. Bah, à cause des Disney, etc., c'est possible en fait. Genre, je me pose la question. Donc là, il faut retourner un petit peu dans les mondes. On va voir un petit peu. On parle. Retenez les ténèbres. Ah bah, si tu savais qui c'était. C'est notre poteau, mon pote. Il y a des nouvelles espèces de Sanker qui sortent là. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Oui, c'était pas là au début, hein. Non, ils sont grave tanky par contre, hein. C'est genre abusé. Voilà, mascole. 240 d'XP. C'est énorme. Ah ouais, ça devient de plus en plus chaud là. Donc voilà, déjà on a fini la petite. Bon, allez, putain, par contre, je vais mourir au bout d'un moment.
Je crois que je vais mettre un vieux brasier dégueu. Ah tiens, meurs. Merci. Oh! Le jeu va commencer à devenir de plus en plus dur là. Je suis que level 40 à ce moment du jeu, j'ai pas beaucoup pex. D'habitude je suis genre level, je sais pas, je dirais facilement level 50, je dirais facile. Voire 55, voire 60 même à ce niveau là d'habitude. Parce que là on a fait un petit peu le rush et du coup on est un petit peu moins level, mais au moins on a fait très vite. 20 heures de jeu, on a fini la première forteresse, on est grave bien. Oh mais encore, putain. Par contre le coup de grâce critique fait tellement mal. Voilà, par contre là, voilà, on retape dans la boule de feu grâce à de la chance hein, bien entendu, mais il faut que je garde les marques trio aussi où est-ce qu'elles sont. Si d'ailleurs vous pouvez me dire où sont les marques trio que je n'ai pas à chercher, ce serait cool. Toutes les marques que je n'ai pas faites. Voilà, c'est bon, on a fini. Ok, donc là on a un petit peu clean le board là. Clean le board les gars. On a pas mal de thunes, faudrait penser à prendre des objets. C'est vrai, j'ai déjà fait la marque aussi, ouais j'ai déjà fait. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Sera la voix d'un mec dans Digimon, c'est possible. C'est fort possible, je sais qu'il a la voix de... d'un mec célèbre, enfin célèbre, j'avais pas jusqu'à dire célèbre, mais si célèbre en fait. Mais j'ai oublié qui. Sephiroth reste le plus classe, non. Sephiroth mon pote, il est tellement classe. Mais les gens ne l'ont pas encore vu. Donc il va falloir voir juste après, enfin plus tard, pas maintenant. J'ai pas encore les cartes pastel, mais bon combien. Il y en a 10 en tout, je crois que je vais la 7ème pour l'instant. Je vais voir si j'ai eu les objets nécessaires pour faire un petit peu de forge. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. J'irai voir plus tard. Mickey. Mickey est le membre le plus classe. Donc est-ce que je peux faire un petit anneau du maître? Je ne peux pas, il manque un rang d'audace, là, il manque aussi. Il manque aussi un rang gros, non, j'ai déjà fait. Il manque des trucs. Pavillon, je ne peux toujours pas, donc là je peux toujours pas faire plus de choses. Et donc du coup, tant que je ne fais pas plus de forge, je ne peux pas débloquer les autres items. C'est un petit peu le problème. Donc voilà, donc on a fini en tout cas la première forteresse oubliée. On va voir en tout cas ce qu'il va falloir faire maintenant qu'on a un petit peu fermé les trucs. Il faudrait du coup aller fermer la porte tout simplement au sans cœur à la forteresse oubliée. Donc la forteresse, voilà, la serrure un petit peu ténébreuse. Voilà, la serrure des ténèbres tout simplement. Et donc sur le coup, moi, je vais vous laisser sur cette partie-là. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ça. Pour ceux qui sont sur le live, je continuerai bien entendu. C'était la partie numéro 17 de Kingdom Hearts. Donc on est allé loin quand même. On a beaucoup joué ces derniers temps. Voilà, on essaie d'avancer un petit peu. Partie numéro 17. J'espère en tout cas que vous avez kiffé tout ça. Donc c'est bien le Kingdom Hearts 2 de PS2. Kingdom Hearts 1 de PS2. Ce n'est pas le Kingdom Hearts 1.5. On a juste fait des réglages pour les graphismes sur l'émulateur pour que ce soit plus beau. Et donc voilà, j'espère en tout cas que vous appréciez. Pour ceux qui étaient sur le live, bah, merci à vous. Pour tous ceux qui êtes sur YouTube, bah, je vous invite juste à cliquer sur ma tête pour vous abonner, à cliquer sur le petit carré blanc pour regarder d'autres vidéos, et à cliquer sur mes réseaux sociaux pour me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, sur une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!